Ça, c'était moi avant la gêne. Compliqué. Je suis Asperger et j'ai très vite eu des problèmes à l'école. J'ai été déscolarisé. Je me suis vite retrouvé sans perspective d'avenir. Finalement, j'ai réussi à régler mes problèmes et faire cette formation. Mon chemin a croisé celui de Fabrice qui, à ce moment-là, était en train de monter la formation à destination des personnes en situation de handicap. Le projet m'a vraiment intéressé. Aujourd'hui, mon poste consiste à développer une API dans une boîte qui développe un système de communication pour les sourds et malentendants. Non, je pense pas que le métier de développeur soit réservé aux hommes. L'important, c'est un esprit logique et une envie d'apprendre.